quelques instants, nous allons suivre le point de presse du National Communication Committee. Mais d'abord, dans le monde, à ce jour, on a enregistré quelque 2 489 956 cas positifs de COVID-19 et le nombre de décès toujours dans le monde à cause du COVID-19 a atteint 170 552. À Maurice, le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce jour 11 819 tests et au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de nouveaux cas positifs de COVID-19 à Maurice. Le nombre total de cas positifs dans le pays est aujourd'hui à 328 et le nombre de décès reste à 9. 243 personnes sont considérées comme guéries du COVID-19 à ce jour et le nombre de cas actifs à Maurice s'élève à ce jour à 73, dont 3 patients qui sont en traitement à l'étranger. Il y a également 14 passagers en quarantaine. On vous invite maintenant de suivre le point de communication du National Communication Committee. C'est le ministre des Affaires étrangères, Nando Boda, qui va intervenir. Bonsoir. Alors, dis-moi, j'ai l'occasion de venir devant la télévision pour l'émission de communication le virus COVID-19. Au fin tour, ban chiffre pour Maurice. Ben, le chiffre peut montrer qu'il y a un plafonnement avec les chiffres qui nous montrer donc qu'il y a un plafonnement. Mais dans le monde, vous trouvez comment la situation là devient de plus en plus grave. Nous pouvons compter les morts par dizaines, nous pouvons compter les cas par centaines de milliers et nous finissons dépasse des millions. Nous, dans Maurice Azodi, nous pouvons faire tout pour gérer les choses comme besoin. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un second surge, qui nous remonte. Et pour qu'il ne nous pas remonte, il faut nous prendre toutes les dispositions. Bien sûr, il y a tout ce qu'il peut faire ici dans le pays, concernant les équipements, concernant les médicaments, moi, pour cause, l'eau là, il coûte brièvement à l'air, concernant le traitement, concernant le test de dépistage. Nous vous passons à un test rapide bientôt. Nous pouvons faire de manière qu'il nous capable tester un plus grand nombre de bantimoun, ban frontliners. Mais avant ça, moi, je suis content de dire quelque chose qui beaucoup peut causer l'eau, ban mauricien qui fin stranded un peu partout dans le monde. Mais qui rôle ministère? Ministère, son rôle, c'est d'être proche de tout ban mauricien quand même que vous êtes dans quelles difficultés vous êtes. Aujourd'hui, nous avons 3000 mauriciens, nous avons 2000 au bateau croisé, mon dieu. Nous, la mission, côte liété, ce rôle, c'est qu'il fait qu'il est proche avec chaque Mauricien qui se plante. Il encadre, il donne le soutien et il donne l'information. C'est toute ma mission de faire ça depuis que nous avons déclaré l'état d'urgence sanitaire. Nous avons recevoir plus de 1000 appels. Nous avons à peu près 3500 emails qui nous avons échangés avec tout ce monde qui se plante un peu partout. Et dans certains aéroports, il y a juste un monde, deux monde. Et dans certains pays, il y en a dizaines de djimoun. Mais il y en a pays côté il y en a centaines, par exemple dans l'Inde, à Delhi, à Mumbai, Madagascar, l'Afrique du Sud. Nous en a cinquantaine à Paris, nous en a 100 à Londres. Et nous pouvons faire une manière qui nous capable de faire les autres connaître qui peut passer. Mais quel est le contexte international? Le contexte international, c'est que l'aéroport fermé, c'est que l'espace aérien fermé. C'est qu'il y a un avion pas peut voler. Et beaucoup de pays, comme l'Inde, comme la Turquie, comme l'Europe, ils ferment d'autres frontières et peuvent pas voler. Toute bonne compagnie aérienne peut penser pour faire un vol commercial après déconfinement, c'est-à-dire au mois de mai vers la fin. Dans ce contexte-là, qui nous fait, nous sommes le premier pays qui nous fait un Mauricien sorti Wuhan, Vini, qui est l'épicentre du virus. Nous finamène à peu près 1000 djimoun dans à peu près une vingtaine, une trentaine de destinations. On vous prend un seul cas, Mounkozaou, le cas de Wuhan. Deuxièmement, dans le cas de Istanbul, nous tenons un compatriote qui est bloqué dans Istanbul. Istanbul, tu fermes sur frontière, Turkish Airlines, tu réduis sur ban vol,
Et nous avons servi de Dubaï vers le 18-19 mars, quand nous avons fait les derniers vols. Nous avons servi de Dubaï comme la plaque tournante. Vous connaissez ce que nous avons fait? Nous avons fait les Mauriciens, faire Istanbul, Johannesburg, que nous avons fait les autres. Et Zis nous donne un exemple de Istanbul et un exemple qui nous a amené de Wuhan. Là, nous nous restions un certain nombre de bandimoun et nous avons dit, reste que nous avons suivre les consignes sanitaires que nous avons et nous pouvons faire tout au cas par cas, faire une manière qui nous capable de faire un vol et qui nous capable d'amener un Mauricien. Nous comprenons sa séparation-là. Et le ministère, l'émission, notre rôle, justement, faire de sorte qu'il soit là pour encadrer un Mauricien. Là, nous faisons un travail dans le contexte qu'il nous peut faire, qui n'est pas un contexte difficile, moi, je veux dire, je me répète, nous pouvons faire un vol de l'Afrique du Sud pour rapatrier un peu Bandimoun, qui est sud-africain qui est à Maurice, et pour donc un rapatriement de certains Mauriciens au départ de Johannesburg. Nous pouvons faire un autre vol, nous pouvons faire un vol au Paris, que nous pouvons faire un vaccin, et un vaccin pour qu'il nous capable relance nos campagnes de vaccination contre la grippe pour Bandimoun, et nous pouvons un certain nombre de rapatriements au départ de Paris. Et puis nous pouvons faire un autre vol au départ de l'Inde, nous pouvons travailler l'eau, l'Inde. Mais l'Inde, c'est difficile parce que l'espace aérien fermé, peine en vol intérieur, confinement dans l'Inde, l'Ianco peut continuer. Nous ne connaissons pas qui peut arriver. Il y a tellement d'incertitudes. C'est bon, nous pouvons organiser un vol l'eau Mumbai et nous pouvons guetter un coup de Kimaya, nous capables d'aider un certain nombre de Mauriciens qui est bloqué dans Delhi pour venir l'eau Mumbai. Alors là, nous pouvons donner priorité à Bandimoun qui finit à prendre. Ben, l'étudiant, bien sûr, mais avant tout, nous vous donnons la priorité des priorités, Bandimoun qui finalement suit un traitement dans l'Inde, Bandimoun qui est malade. Après, nous avons un grand Dimoun, après, nous avons une famille qui finalement, après, nous pouvons un coup les autres Bandimoun qui sont en détresse pour capable faire ce vol-là. Alors, le vol de Johannesburg, c'est prévu à la fin de cette semaine. Le vol de Paris aussi, il prévoit à la fin de cette semaine. Et après le vol, nous pouvons travailler le vol de Mumbai et qui peut prendre un petit monde dans Delhi. Et ça, nous pouvons faire aller vers le 8, le 9 mai. Mais d'ici là, nous pouvons espérer que la situation améliorée, que l'espace aérien est ouvert et qu'il nous capable de rapatrier un maximum de bandes mauriciens. Concernant les bateaux de croisière, nous finissons de faire une manière, nous finissons de mettre les compagnies de bateaux de croisière devant notre responsabilité. Nous avons une obligation pour t'aider, prends sa bandimoula qui est encore sous contrat, prends autre compte, donne autre les meilleures conditions et donne autre un soutien médical. Nous comprenons qui ban mauricien quand autre perdit quelque part. On connaît beaucoup nationalités aujourd'hui stranded de par le monde. Nous tout connaît, il n'y a pas milliers, il n'y a pas dizaines de milliers. Mais nous connaît qui il y a un sentiment comme si autre séparé. Et qui, dans un moment difficile, là, tout à content, retourne à Maurice. C'est pour ça qu'il nous peut dire, nous pouvons faire le maximum et nous toujours dire, suivre les consignes de santé qui est en vigueur dans ce pays-là. À Maurice, situation, comment nous dire, est un palier. Qui nous fait? L'obligation qui pour un ministre, c'est de nous, moi et mon camarade Yogi Dasso-Benaden, c'est qu'il vient le 20. Nous avons tous les équipements, nous avons tous les tests. Nous avons tous les médicaments nécessaires pour qu'ils nous capables de traverser sa période cruciale de là, comment nous peux dire, nous peux arrive sa pic là. Alors nous finissons 5 vols de Beijing. 5 vols de Beijing, le dernier qui est arrivé samedi. Nous finissons 2 vols de Guangzhou. Nous finissons, nous prenons à Zodian vol à Hong Kong pour le CS, un rapide test. C'est un bon test qui permet de nous gagner un résultat dans plus ou moins les temps qui, le PCR test qui prend les temps parce qu'il nous vient dans le laboratoire. Nous prenons encore 3 vols de Guangzhou. Et moi, nous raconte le vol qui nous prenons, le Paris, parce qu'il nous permet les vaccins. En Inde, il y a un médicament qui est extrêmement important, hydroxychloroquine, qui là aussi, nous permet. Et nous, nous connaissons finalement aussi une donation. Alors, ce qui me tient content d'expliquer, que c'est une épidémie azodique qui vient le plus grand défi de l'humanité. Aujourd'hui, quand nous guettons grand pays, notre système de santé est saturé, est dépassé. Et dans 10 mois, aujourd'hui, il y a peine à l'équipement, peine à PPI, c'est l'équipement de protection pour le frontliners, ban staff.
Et nous bien dire, je t'ai un grand merci pour le sacrifice extraordinaire que je peux faire parce que je t'ai exposé au virus tous les jours. Alors, pour ce frontliners là, partout dans beaucoup de pays aujourd'hui, il y a un problème de manque de PPE, manque de ICU beds, manque de ce qu'on appelle les appareils pour les appareils pour respiratoires. Mais nous, ce que nous faisons là, c'est qu'avec tout ce vol là, avec nous amène suffisamment de médicaments, de matériel, d'équipement pour qu'il nous capable de gérer sa situation là comme elle était. Mais nous sommes extrêmement vigilants. Nous sommes extrêmement vigilants parce qu'il nous parlait à tout prix qu'il y a un surge, ce qu'on appelle le second surge, comme a fini en aller à Singapour, comme a fini en aller en Chine, comme a fini en aller à Zodi au Japon. Alors, nous finissons faire quelque chose d'extraordinaire. Nous avons, par exemple, un petit île comme Rodrigue, qui est unique dans le monde, parce qu'il nous finit faire de sorte que dans Rodrigue, le virus est absent. Il n'est pas là. Mais ici, nous restons à Menli sous contrôle. Tout le monde met en place le comité présidé par le Premier ministre Zouen tous les jours et faire de sorte qu'il nous capable de monitorer la situation et nous parrainons pour qu'il n'y ait aucune rechute et qu'il n'y ait un nouveau surge. Et pour faire ça, nous avons l'autre solution, ce virus-là, bouger avec nous. C'est nous qui amenons notre place. D'où le fait qu'il déconfinement. Ça, nous pouvons faire comme besoin faire, mais confinement, c'est la seule solution qui nous est là. Nous gardons nous côté nous étions, nous respectons les consignes de santé, nous faire des gestes qui nous appellent les gestes de tous les jours, lave la main, garde distance et n'a pas fait une manière qui nous transporte le virus vers les autres bandits. Et nous besoin faire ce qui nous est là pour faire au niveau du gouvernement. Nous pouvons dire que la population fait ce que la population a besoin de faire. Et en ce qui concerne nos camarades qui n'est pas là, qui ailleurs, nous connaissons qu'ils sont en difficulté. C'est pour ça que le ministre des Finances, avec le Premier ministre, met en place un petit scheme, un petit loan, de à peu près jusqu'à le State Bank, donne nous un détail aujourd'hui. C'est un petit loan de 50 000 roupies, un petit intérêt 3%, ban parents qui apprend lit, ban dimoun qui stranded qui apprend lit, le temps qu'ils traversent sa période extrêmement difficile là, parce qu'ils nous l'est, qu'ils sont capables de retourner le plus vite possible. Et en attendant, ici, nous continuons le combat à nos niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau de la population et au niveau de chaque individu. Nous assumons nos responsabilités et nous faisons de sorte qu'ils nous gagnent sa combat contre le COVID-19. Alors, on me prend quelques questions parce qu'il me tourne une longue liste là. Premièrement, est-ce que le gouvernement peut donner un soutien financier? Là, nous expliquer qu'il nous prenne un ratier assistante là. Et ce qui est bon, par exemple, dans l'Inde, il y a un SBM, il y a une branche dans Delhi, il y a une branche également dans Mumbai. Et nous mettons un desk dans nos consulats de Mumbai et dans nos High Commission de Delhi pour faciliter les choses. Et ici, moi, je suis content, merci SBM, il met un officier juste pour occuper ça maintenant là. Dis-moi, si pas nous finissons créer Royal Caribbean, nous expliquons Royal Caribbean quelle est la situation et qu'ils ont un devoir, garde sa main Mauricien là parce qu'ils ont sous contrat. Et deuxièmement, moi je suis content de dire pour Royal Caribbean, tu peux redamener 300 Mauriciens d'un vol de 20 heures avec tout ce risque qui s'est comporté en ce qui concerne le virus. Alors, Tiena aussi, est-ce que nous pouvons toujours déconfinement pour aller avec la libération des frontières? Ça, c'est une décision qui nous faut bien prendre. Il y a un comité besoin, parce que toute la dimension, parce qu'il c'est une question extrêmement complexe, comme vous le connaissez, et tout le pays pose la question. D'ailleurs, nous connaissons qui est Maurice Sussi, il y a une tentative, une date pour qu'il réponde à un vol. C'est la même chose en Inde, c'est la même chose en Turquie, et c'est la même chose en Europe. Mais ça, nous devons connaître comment la situation évolue de maintenant jusqu'à la date du déconfinement à Maurice. Alors, Tiena, une question concernant le docteur Laurent Moussanjo, représentant de l'OMS depuis son apparition à Maurice. Il lit tous les jours dans nos réunions, qui est présidée par le Premier ministre. D'ailleurs, il peut encadrer nous, tout ce protocole de l'OMS nous permet de mettre en pratique. Et docteur Moussanjo, là, dans toute bonne réunion, d'ailleurs, il y a une aide que l'OMS nous donne, il y a un conseil qui nous donne, il y a une information qui nous donne, mais surtout, ce qui est extrêmement important, nous peut servir tout bon protocole. Par exemple, le test valeur du jour, l'OMS dit à nous comme ça, les seuls tests qui sont valables.
étape, c'est les tests PCR, mais qui, après, pour une possibilité, qu'il y a un rapide test, mais il y a un goût qui m'a dit pour service à un test là, comme à bizarre. Alors, il y a aussi une solution à l'étranger, bon, une bonne cause. Il y a un vol qui est sorti lundi venu, qui fait nous prendre même passager là, mais c'était un vol cargo. C'était un vol qui, le gouvernement indien, fin envoyé, qui vient faire Maurice, il des pays, il a le Seychelles, il fait le don indien, il vient Maurice, il fait le don indien, après il vient en Afrique. C'est un vol cargo. Puis non, il peut faire passager. Alors, je prends quoi des questions là, concernant. Planning cargo, nous pouvons faire tout planning cargo, et Mauritius peut faire lui, et nous pouvons travailler d'ailleurs avec beaucoup de coordination avec le secteur privé, avec la chambre de commerce, de sorte qu'ils nous capables d'amener tout le monde médecine, parce qu'il peut exister médecine COVID-19, et dans la médecine qui vise pour les autres maladies qui nous habitent à amener. C'est ça, par exemple, le vol de Mumbai, il peut faire ça aussi. Il peut amener un médicament pour le COVID-19, mais il peut amener aussi un médicament qui pour le secteur privé et pour qui utilise régulièrement. Il y a aussi un vol concernant. Une question concernant la Chine, mais c'était ban donation. Là aussi, c'était ban nous financer sa ban produit là là-bas. Et finalement, nous finalement par bateau parce qu'il tiendra un volume extraordinaire. Voilà, moi j'espère que je réponds toutes les questions que moi besoin et que si il y a des autres questions, bien sûr, pour une émission tous les jours, capable faire nous connaître, le ministère est ouvert et capable poser nous des questions nous là. Et seulement, comme on a toujours dit, bizarre vient avec une solution qui est valable et qui est efficace. C'est ce qu'il nous peut faire. Mais avant de terminer, je suis content de dire que c'est nous, citoyens, qui sommes capables d'empêcher ce virus-là de propager. Nous qui sommes capables de retenir, nous qui sommes capables de confiner, nous qui sommes capables d'empêcher sauter dans une la case, aller dans une autre la case, sauter dans un bureau, aller dans l'autre bureau, sauter dans la rue, sauter dans l'endroit, aller dans l'autre. Nous devons commencer à nous propager à travers le pays. Alors, le confinement, il peut continuer jusqu'à la date qu'il nous prévoit. Il y a un comité de mettre en place. Nous guettons un coup comment la situation évolue d'ici là. Nous espérons que ce plateau-là continue et nous récit maîtrise la solution à Maurice. Et après, nous passons à une nouvelle étape. Mais d'ici là, nous restons confinés, nous restons la case, nous protégeons nous-mêmes, nous protégeons nos familles, nous protégeons nos pays. Merci beaucoup. Bonsoir. Bayo, bayo. Aho, kawariya khola ho. नहीं 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 पंगर करो ना होए कोरोना जनता के दुश्मन गांव शहर में घूमता बिना